Al divido men partaye, nka lo soubra kou men, l'information d'un ami faut qu'à folle avant qu'il y en a. Donc elle a partagé, mais n'a ben le retour du criminel Doumbouya à Conakry, les mobilisations ou bien la mobilisation en cours, lecture de Coran par-ci, lecture de Coran par-là, ainsi de suite. Mais bonsoir, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Nous devons remercier les responsables d'abord du RPZ Arc-en-Ciel, notamment la coordination RPZ Arc-en-Ciel Europe. Nous avons vu l'intervention de Kramon Nabé, non seulement il est le représentant du RPZ en France, mais le coordinateur du RPZ Europe. Il était l'invité de TV5 Monde. Allez-y, écoutez le journal de TV5 Monde, où il est venu expliquer, résumer la situation de notre pays. Nous le félicitons et nous remercions nos autorités d'avoir choisi ces messieurs que je n'ai jamais vus, mais... Ah, allô? Je suis en direct. Bonsoir. Donc, Monsieur Kramon Nabé, ce n'est pas à lui seul de recevoir le remerciement. Mais c'est ceux qui l'ont choisi. Évidemment, les partis politiques savent choisir. J'ai écouté encore une fois Tanou de l'IFDG France. Quand le jour où j'ai écouté ce monsieur, j'étais convaincu. J'étais très convaincu. J'ai écouté encore Frère Diallo ici à New York. J'ai été convaincu, j'ai été très très jaloux de la façon dont il s'est pris. Quand je dis jaloux, c'est pas dans la méchanceté, c'est tellement que j'étais convaincu la façon dont il s'y prenait avec les mots. Donc, si vous continuez à choisir nos représentants comme ça, indiscutablement, nous aurons le courage de continuer à aimer nos partis politiques. Merci. Mettez le cœur, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les têtes de mort. Je ne sais pas c'est qui, mais mettez le cœur, sinon la vidéo sera bloquée. Excusez-moi. Nous évoluons. Voilà. Attendez, j'ai retrouvé la personne. Voilà. Donc, allez-y sur YouTube. Mon champion Mehdi le dit. Continuez à vous abonner aussi sur ma page YouTube. Allez-y sur YouTube, s'il vous plaît. Donc, je voudrais vous relater une petite histoire du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Est-ce que vous avez vu notifier que le monsieur le gouverneur a été convoqué? Venez me dire le contraire. Mamadi Doumbouya, le criminel, l'assassin du 5 septembre, n'est pas de retour. Mais il est en train de régler la situation entre deux clans tout autour de lui. C'est-à-dire, si vous n'appartenez pas à ce clan, c'est que c'est fini. Mon champion, Saïd Diallo, comment vas-tu? Voilà. Donc, monsieur le gouverneur de la Banque Centrale Arabique, cher, vous savez, monsieur le gouverneur, tu étais avec nous. Tu étais avec nous, merci monsieur Marat. Tu étais avec nous. Dieu là, il ne dort pas, il est pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, monsieur le gouverneur, est-ce que réellement vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez été convoqué? Et qui vous a convoqué? Et c'est par rapport à quel montant? Parce qu'il s'agit d'un montant. Il s'agit d'un montant. Une mobilisation a été demandée à hauteur de 10 milliards. Parce que c'est ça la nouveauté, c'est ça la méthode.
Quand Doumbouya se déplace, il faut trouver de l'argent. Quand il doit rentrer, il faut trouver de l'argent pour distribuer à ces petites personnes de Conakry, des chômeurs qui n'ont pas de boulot. Parce qu'en fait, c'est le système. Il faut limoger, il faut appauvrir pour rendre les gens mendiants. C'est ce qui arrive aujourd'hui. En moins de 2 jours, chaque entité a reçu combien? 100 millions, 200 millions, 100 millions pour donner à chaque groupe. Je ne m'adresse pas à la fonction publique, parce que celui qui veut conserver son poste de directeur, d'inspecteur, de chef de cabinet, de directeur de cabinet, doit mobiliser toute sa famille. Ce qui me plaît chez vous, aujourd'hui, c'est parce que les Guinéens ne comprennent pas, ils refusent de comprendre. Sinon, aujourd'hui, à chaque situation du CNRD, chacun est chargé de sortir sa famille. On demande à chacun de faire sortir sa famille. Au fait, ce que vous voyez comme ça, ce ne sont ni la population de Conakry, ni ce sont les familles. On demande à, parce que si vous prenez les inspecteurs nationaux, vous prenez les directeurs nationaux, vous prenez les chefs de cabinet, vous prenez les ministres, vous prenez les chefs sections, si vous réunissez les différentes familles de tout ce monde-là, wallah, ça suffit largement pour accueillir Mamadi Doumbouya. Enfin, en bravo, c'est clairement. Parce que, il faut qu'un chute parmi vous pour qu'on soit au courant des choses. Nous sommes d'accord. Moi, je ne refuse pas les informations avec des preuves. Lorsque un ancien parmi vous vient se confier à moi, j'accepte les informations. Il me demande de les vérifier avec des photos. Voilà pourquoi les gens sortent. La dernière fois, la Aliouba a fait cas des chômeurs lorsque des chômeurs sont payés. Mais, quand on dit les chômeurs, on sait. Ils ont demandé à tous les admis au concours de recrutement, on ne sait pas quand est-ce que les résultats sont sortis, de se présenter au pont. Combien a été envoyé à Matam? C'est le maire Badr Ali Kony. Badr Ali a déposé hier, demandé à tout le monde, 50 millions. D'abord, ça c'est la Kola. C'est l'argent qui a accompagné la Kola pour la lecture du Coran. Au départ, ils ont dit de lire le Coran pour la paix. Mais tous ceux qui ont assisté là, demandez-leur, les imams là, les karamoko là, lisez le Coran pour qui? Allez-y écouter. Et puis ce qui est honteux, vous demandez aux uns et aux autres de ne pas filmer. Si vous faites les doigts pour la paix, pourquoi on ne filme pas? Pourquoi on ne filme pas? Nkwala est en sort là. C'est Dieu qui nous sauve que certains vous trahissent pour venir nous donner les informations avec des preuves. Merci mon frère Abaka Dembasila. Merci. Hein? Actuellement là, demandez à tous les Guinéens. Demandez à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que nous parlons de politique? Est-ce qu'il y a un débat politique dans ce pays-là? Tout est fait et organisé pour que le type-là soit candidat. Vous savez ce qui arrive à Mamadi Doumbouya aujourd'hui? C'est-à-dire, le gars n'a pas trouvé de bonnes personnes pour l'aider à annoncer sa candidature. Tous ceux qui sont autour de là, ceux qui l'ont promis là, jusque-là, les gens n'arrivent pas à trouver la bonne personne pour trouver la bonne formule pour annoncer qu'il sera candidat. Jusque-là, nous sommes comme ça. Sinon, toutes ces dépenses de 10 milliards, de 5 milliards, de 17 milliards ne seraient pas dépensées. Mais c'est parce que on ne trouve pas quelqu'un, la bonne personne pour venir dire définitivement il est candidat. Parce que même le projet de loi de la nouvelle constitution là, ils ont peur. Il y a des articles, des passages, parce que l'Europe a déjà reçu le document. La dame posait la question aujourd'hui à Cramon Abbé. Car Monabé, le représentant du RPZ en Europe, il était en train de dire, allez-y voir qui a été associé à la rédaction de cet avant-projet. Personne. La dame ne nie pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que jusque-là, nous sommes comme ça. Personne ne sait aujourd'hui qui a écrit cet avant-projet.
La seule information que nous avons, c'est qu'aucun membre du CNT n'a participé à la rédaction de cet avant-projet. Personne. Je mets quiconque à défi pour me dire il a participé. Donc, monsieur le gouverneur de la Banque Centrale BRIC, je sais qu'ils vont t'enlever. Une fois Doumbouya a connu, tu vas partir. Si tu vois que Doumbouya a signé le document concernant Bailali et sans fil, c'est parce que les deux là, ils ont trouvé un argument pour dire que c'est par influence ou je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est faux. Ce qui concerne le premier, hein, celui qu'on appelle Bailali, là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Bailali, il est à Dubaï aujourd'hui. Et que quelqu'un me dit qu'il a quoi? Il est à Dubaï, où est sa famille? Non, nulle part, il est couché. Il a doublé Mamadi. Monsieur le gouverneur de la Banque Centrale, vous avez détourné combien? Vous avez sorti combien? Qu'est-ce que vous avez fait dans le jeu? Donc, c'est pour dire aux uns et aux autres. Monsieur le gouverneur aujourd'hui de la Banque Centrale de la République de Guinée a été interrogé parce qu'ils l'ont demandé un montant par rapport à la venue de Doumbouya, selon les informations que nous avons reçues. Ils ont demandé à ce dernier qu'ils ont besoin de tel montant. Le gars n'a pas d'argent à la Banque Centrale. Ils ont demandé à ce monsieur où se trouve tel ou tel montant. Déposé par le gars de Topaz, le patron de Topaz, et le patron de Topaz. Parce que le patron de Topaz dépose. Et les recettes douanières. Maintenant, les recettes douanières. Monsieur le directeur général de la douane. Je dis bientôt, le directeur général de la douane va sauter. Le gouverneur aussi. C'est-à-dire vous, tous les deux là vont sauter. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en sursis. Vous vous rappelez ce que le Sénégalais de la CEDEAO le disait. Vous les Guinéens là, vous qui êtes assis là, vous êtes en sursis. Le gars qui n'a pas épité de son patron, de son bienfaiteur, il n'a pas d'amour pour quelqu'un. Il fait semblant. Vous pensez qu'il vous aime. Nulle part, le gars-là n'a le sentiment pour quelqu'un. Regardez, après la rencontre avec le président Xi Jinping, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Que le ministre directeur protocole chargé des mines, celui qui est chargé de la mine ou des mines au niveau de la présence, c'est-à-dire Djiba Diakité, a rencontré les Chinois. Demander le document exploratoire, les incendies aujourd'hui. Donc, on fait tout le bruit qu'ils ont fait là. On parle uniquement de Simandou. Et qu'est-ce qu'on notifie que Simandou est le seul facteur de développement de la Guinée? C'est-à-dire, aujourd'hui, rien n'est considéré par rapport à cette douanière. Et vous savez très bien qu'il y a des recettes douanières. Il y a des recettes douanières, quelles que soient les maigres recettes, la merde. Mais on ne fait pas cas à ça. C'est que c'est une seule personne aujourd'hui qui récupère les recettes douanières. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui c'est entre le gouverneur et le directeur général de la douane, il y a quelqu'un qui a volé Mamadi. Parce que Mamadi le dit, l'argent du pays là, c'est pour lui. C'est lui qui est allé à la mort. Tandis quand il demande 20 milliards, il faut qu'on le dépose. Les 20 milliards doivent être déposés. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Vous avez vu les manifestations aujourd'hui, les manifestations des enseignants contracteurs qui ne sont pas admis. Parce que vous avez très bien écouté. Hein? Non, si je me trompe, détrompez là, corrigez-moi. Le gouverneur, aujourd'hui, on l'a demandé un montant. Je ne sais pas si c'est, on dit 10, 15 milliards. Le gars dit qu'il n'a pas 10, 15 milliards. On dit, comment on peut ça? Une banque centrale n'a pas ça. Il n'a pas ça. Alors, comment on paie les fonctionnaires? C'est la question que je me suis posée.
pose comment on paie les fonctionnaires. Il y a quelqu'un qui me dit, un ami qui travaille là, il dit non. Si je te dis réellement d'où vient le salaire des fonctionnaires, je ne sais pas. On fait l'état des salaires, c'est pas Bibana, le gouverneur aussi, le ministre, le trésor, bah, en tout cas, on signe, on a, ça dit, BA signé, on signe seulement, mais l'argent pour payer la morcima, là, il faut demander à tous les travailleurs de la Banque Centrale, ceux qui sont aux impôts, au trésor, demande-leur, mon client, je sais d'où vient, où on prend l'argent des fonctionnaires, à qui allait Bemainka, personne ne sait. Je connais, je sais comment ça s'est passé au temps d'Alpha Condé. Mais te dis que depuis 2022, octobre 2022, personne ne sait au niveau de la Banque Centrale, au Trésor, aux impôts, qu'on la Guinée salaire pour la Mossima. On ne fait que signer des papiers, et tout, ça qu'un signe. D'ailleurs, tu es au courant, tu es au courant, Icalon. Mais Icalon, comment on paye? Il faut demander à tous les fonctionnaires. Si aujourd'hui, dès que le 5 arrive, je peux te donner les statistiques. Dès que le 5 arrive, le 5 arrive là, moi-même il sera là, c'est 30% qu'on paye le 5. Merci beaucoup frère Abraham Kita pour les étoiles. Dès le, merci beaucoup, il m'en demande ça frère Abraham. Dès que le 5 arrive, demande à tout le monde. Ben Yinika! Le 5 arrive d'abord. Aïban Moussara, il faut 30%. Sarah et Walaleha, le 17. Le dernier groupe perçoit son salaire. Le 17 du mois, Bermanika. Aucun fonctionnaire n'est payé. C'est-à-dire, Hala et Bafo. Autant d'Alpha Condé. L'état de salaire venait devant moi. Autant d'Alpha Condé. Ça venait devant moi, ça transitait en cabellon. Ici, là. Il y a certains fonctionnaires qui percevaient leur argent dès le 26 au temps d'Alpha Condé. Dès le 26, Dobala Oudimassoro. Ceux qui étaient au dépôt là, où on envoie directement sur le contrat. Le 26, le 27, si ça tombe sur le week-end là, Dobala Saramassoro. Le dernier groupe gagnait son argent entre le 31 ou le 1er. Même le billetage là, tout le monde gagnait son argent avant le 2. Pendant plus de 10 ans, ça c'est, et puis tout le monde savait, on savait d'où vient l'argent, comme, Betoun Kalon. Parce que, je te donne cette information, Alpha Condé avait fait de sorte que 30% des recettes douanières et 50% des recettes portières doivent passer pour la paye. Vous voulez qu'à qui il y avait suffisamment d'argent, pour le salaire. Parce qu'il y a 30% de recettes douanières, qu'à 80% de recettes portières, aéroport, fin qui est béoléro, il y a beaucoup de salaire, les mains. Mais pour le salaire du mois prochain, l'argent là, mais à partir de 10 du mois, en cours même, moi, ma safro, 10 personnes, nous avons l'état de salaire de 2 mois. Vous voulez que là, vous voulez que quand on vous entend parler de superposition de salaire là, vous voulez que vous voulez la nyonka. Parce que Ori met 30%, on donnait les consignes par mois. On dit, bon, 20% de tel doit aller pour le salaire. 30% de ça doit aller pour le salaire. Nko, dès que entre le 9 et le 10 du mois, la Karo Masafolo, Karo Men sera préparé. Toi, entre le 9 et le 10 du mois, là, Karo Fla sera brasseron. Nous avons 2 mois de salaire pendant les recettes, là. Donc, quand nous mettons les 2 mois de salaire, et puis nous continuons à renforcer la banque centrale. Oui, c'est comme ça l'argent venait à la banque centrale. Maintenant, le 10 de l'autre mois aussi, voilà, on a déjà 2 mois, le mois en cours et le mois prochain. Entre là, à un moment, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est retrouvé avec plus de 6 mois de recettes. Tous ceux qui travaillent à la banque centrale, aux impôts, aux trésors, Bekaye, le mois ne faisait qu'augmenter. Il y avait beaucoup d'argent déposé, uniquement pour le salaire. Il y avait un montant aussi pour le carburant. Ça, je suis témoin de bien. Attends, demandez à tout le monde d'où sort cet argent. Parce que nous, on n'est pas bêtes. Moi, j'ai des amis. C'est nos amis là aujourd'hui qui sont presque. Si ce n'est pas l'affaire de Sénédé là, c'est nos amis qui occupaient presque les. C'est-à-dire la vraie ceinture de la fonction publique, nos amis et ceux qui venaient après nous.
Et le gouverneur aujourd'hui ne trouve pas ce que Mamadi veut. On veut accueillir le monsieur en grand pompe. On dirait qu'il est venu, qu'il est parti à la Mecque. Il est parti faire le pèlerinage pour tous les Guinéens. Et pourtant, quand ils sont allés là-bas, c'est pour revoir les contrats miniers. Le seul contrat minier. Est-ce que vous avez vu un accord signé? Non, aucun accord n'a été signé. Toute la discussion était autour du contenu du programme de Monsimandou. C'est tout. N'est-ce pas, lorsqu'ils ont terminé la rencontre, lui, il devait partir en Inde pour voir ses féticheurs et après venir au Rwanda pour voir comment placer son argent. Partout où il avait son argent déposé par les uns et les autres, il a tout ramassé pour envoyer au Rwanda. En tout cas, c'est comme ça qu'il fait. Quand il arrive à sortir de l'argent, son argent, parce que c'est que les Chinois et autres devaient le donner par rapport au Mie, il récolte tout, il va et dépose au Rwanda. C'est comme ça que ça se passe. Notre argent ne vient plus à Kola, que ça passe par le Rwanda. Est-ce que je me demande si c'est pas le Rwanda qui nous paye? Il fait l'état d'alien. Bon, c'est des questions que je me pose. Avec tout ça là, avec toute cette situation là, les gens veulent qu'on vote, que le gars a fait un mandat. Malheureusement, il y a un frère, un vaurien, qui est bonnement assis au milieu du parti, parce que Karamon Abel a dit aujourd'hui, une délégation est allée voir le patriarcat de Zérékoré pour dire qu'en y a, et puis ils se gênent pas, nous sommes là pour ça, c'est pour commission Mayamboulo, au cas Fidjana, c'est voilà, mais on y doit être candidat. Et puis, allez, je peux vous faire réécouter là, ce qu'il a dit, c'est grave, c'est très très grave. Et il dit clairement, après l'adoption de la constitution de Mamadou Doumbouya, la candidature, le candidat de toute la Guinée, il n'a pas dit le candidat d'un parti, il dit le candidat de toute la Guinée, c'est-à-dire le système Kagame. C'est lui le seul candidat de la Guinée, et puis il cherche deux ou trois opposants, et puis on s'en va aux élections. C'est tout, il devient président, élu à 99-99%, plébiscité en attendant le matin. Si les gens ne se lèvent pas, donc, vous avez vu le programme. Je voudrais m'adresser à M. Baoury. M. Baoury, nous venons d'augmenter votre grade de responsabilité du détournement dans ce pays. Je ne sais pas quelle publicité tu cherches, M. Baoury, parce que nous le savons tous que Doumbouya veut un gouvernement avant les élections. Il ne veut ni Soussou comme chef du gouvernement, ni Peul comme chef du gouvernement. Il veut d'abord se rassurer que celui qui sera chef du gouvernement rassure, parce que c'est le département de l'administration du territoire, comme au Sénégal, qui va organiser les élections. Il n'y aura pas de CENI, il n'y aura pas de CTC, il n'y aura rien. C'est l'administration du territoire qui va organiser les élections. Et il veut, et c'est qui? Soit Général Condé de l'administration du territoire devient Premier ministre, ou bien il reste à son poste pour nous envoyer aux élections. C'est ce qui va se passer. Halimoun dira, Kaké Pimpan, dès qu'il termine d'adopter, parce que ils attendent pour voir comment l'opposition s'y prend par rapport au 31. Maintenant, plus le 31 décembre s'approche, s'il n'y a pas de mouvement, de manifestation, de mouvement de contestation, ils vont tout faire pour présenter la constitution et puis l'adopter et puis va promulguer et puis c'est terminé. Nous allons faire les élections en 2025, pas cette année-là. Voilà pourquoi M. Baoury vous parlez de 2025-2030. Vous dites que d'ici 2030, la Guinée va changer. La chanson aujourd'hui dans tous les départements, dans tous les villages de la Haute-Guinée, quand Doumbouya bâti comme Kagame. C'est-à-dire quand Doumbouya sera comme Kagame, c'est-à-dire Doumbouya doit être comme Kagame. Nko donc là, dans le village, partout chez nous là-bas aujourd'hui, Nko le fera, quand Doumbouya sera comme Kagame. Ah, vous n'avez pas vu d'exemple dans ce pays-là, sauf Kagame.
Et puis vous avez confectionné tellement de photos de Kigali partout, les routes de Kigali. C'est ce qui est dans vos téléphones, dans tous les villages de la Haute Guinée. Aïbra, Aïbra, Kagame, Kamnenk, Aïbra, Sorassi, à la Baraye. Aïbra, Sorassi, la Baraye. Aïbra, Aïbra, Sorassi, la Baraye. Partout, Aïbra, Sorassi, la Baraye. Aïbra, Sorassi, qui elle était, Aïbra, Rwanda, Sorassi, elle était. Aïbra, elle était, Akasila, Melate. Aïbra, Izine, même là. Nos parents là ne sont pas allés à l'école. Eux là, Halibafon, ils ne savent pas comment Kagame est arrivé au pouvoir. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas informés de ce que Kagame fait à sa population. Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne pour expliquer à nos parents, pour dire, c'est Kagame que vous voyez comme ça là. Il abasse, ce Kagame vient de faire partie 200 militaires à la retraite. Parce qu'il y a des contestations internes. Il va au Kouma dans la Guinée. Il va au Dankou, la Guinée joue les Oldi. C'est-à-dire, nous sommes devenus automatiquement les anti-Guinéens. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui sont avec Mamadi, c'est eux qui aiment la Guinée. Il est bas à expliquer son gars, que non, c'est des apatrites. Ils n'aiment pas la Guinée. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Vous avez dit ici que nous sommes des taxidêtres. On ne fout rien ici. Vous avez dit ici qu'on vit de Facebook. Vous avez dit ici, là, Koumati aïe ma main fort. Voilà. Encore Té aïe ma main fort. Comme vous n'avez plus d'arguments là, vous n'avez plus d'arguments. Il n'y a plus d'arguments. Donc, chers frères et sœurs, hein, il n'y a plus d'arguments. Koro Benito, il fait Uber. Oh, lui, il fait Uber. Oh, il fait taxi. Oh, il prend les bagages. Oh! J'étais obligé un jour de montrer mon badge de travail. On m'a tellement reproché. Il y a un grand responsable qui m'a lavé pour ça. Il m'a dit, je ne veux plus voir ça. Tu as compris? Et ça a été, cela a été un très bon conseil pour moi. Tout ça l'a mis de côté. Donc, nous sommes dans un combat pour sauver notre pays. Donc, Monsieur Doudou Beni, vous avez vu, malgré que nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a induits tous dans des erreurs. Moi, aujourd'hui, je suis reproché par tous mes élèves. Tous les élèves que j'ai enseignés, tous ceux qui me connaissent, la plupart ne sont pas contents du fait que j'ai réagi à la provocation, parce que d'abord, ils savent comment insulter. Malgré tout, hein, ceux qui me connaissent en Imbossa, c'est plein de reproches. Pourquoi tu es tombé dans ce piège? Pourquoi? J'ai été simplement de dire, simplement, j'ai demandé aux gens de m'en excuser. À beaucoup, m'ont dit excuser. Il y a d'autres DGE à la Moutan du Colombe, ou du Témé du Colombe. Oh, il était me dit, qui ne le connaît pas? Donc, malgré ça, monsieur Doudou Beni, vous parlez de sage de la basse-côte. Vous savez, je l'ai dit, que personne ne prendra le nom de sage de la basse-côte pour nous effrayer. Parce que quand vous parlez de sage de la basse-côte, malgré lui-même le type, il dit qu'il demande pardon au sage de la basse-côte. Est-ce que c'est des sages qu'il a insulté? Parce que Mamadi Doumbouya n'est pas content. La famille de Mamadi Doumbouya n'est pas content. Et ils ont fait savoir à je ne sais pas qui vous appelle les sages de la basse-côte. Montrez-nous le document. Montrez-nous le document où c'est notifié que les sages, ou bien montrez-nous la vidéo où les sages sont réunis pour dire voilà, nous sommes les sages de la basse-côte. Nous connaissons les sages de la basse-côte. Ne mentez pas. Nous connaissons qui sont derrière les artistes là, qui se disent sages de la basse-côte. Ce sont des anciens ministres de la basse-côte qui ont travaillé avec le professeur Fakonde, le président de la République. C'est eux. Sinon, nous connaissons. Moi, je connais, j'ai parlé avec un proche de la Serona. Et là, Serona n'est pas préoccupé par rapport à des conneries aujourd'hui. C'est par rapport à son état de santé. Et il s'est éloigné de beaucoup de choses de la Serona. Alors, si c'est là, Jansané, c'est faux. Montrez-moi qui est le sage de la basse-côte qui vous a appelé pour dire que ce qu'il a fait n'est pas bon.
C'est le sage, il a insulté. Dites que la famille de Doumbouya, vous, que vous avez fait le fait que Doumbouya et sa famille ont été insultés. C'est ça, montrez-nous le sage. Je vous mets à défi. Montrez-nous le sage qui vous a dit que non, il doit aller. C'est faux. Il n'y a aucun sage. Dites que ceux qui ont promis à Doumbouya le pouvoir, des anciens ministres, des anciens vauriens, des gens qui vendent les idées ici, qui disent que Inalou Moutangami Mounira Mangamanebe, dites que c'est eux. Parce que Doumbouya les a reprochés, Doumbouya est fâché après eux. Hein? Ça cause, il n'y a pas d'autre sens, c'est faux. Montrez-nous les sages, montrez-nous que les sages de la basse-côte, Nebala ou Emoubé, ça a cause, nous sommes venus. L'oprégien, moi je m'en fous de l'oprégien. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Quelle est l'entité la plus puissante en Guinée qui doit juger tout le monde qui est... C'est quoi? Si c'est le ministère de la justice, la Cour suprême, c'est le cours là. Mais qui gère la justice guinéenne? C'est pas Doumbouya. Le président là, c'est quoi? Le président, c'est quoi? Entre le président et le ministère de la justice, qui est plus fort? C'est le ministère de la justice qui gère, c'est pas Doumbouya. Le président, c'est quoi? Quand il a été convoqué le président. Non, moi, je m'en fous de le président. Qu'est-ce que le président va faire? C'est au projet ou au projet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est parti là-bas avec un t-shirt. Vous avez vu le t-shirt? Et tout le monde est mort. C'est que ça n'a pas de sens. Merci, Bana. Ça n'a pas de sens. Moi, d'ailleurs, celui qui m'a dit que le président m'a convoqué, je lui ai dit, écoute-moi, enlève-moi dans ça. Je lui ai dit à cette personne, enlève-moi dans ça, s'il te plaît. Il dit, ah, non, c'est pas important. Je lui ai dit, mais le ministère de la Justice est là-bas, là. C'est Mahamadou Ba qui manipule ça. Le président, là, c'est quoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans ce groupe-là qui supporte Doumbouya en basse-côte, là, qui a été réprimandé, qui a été reproché. Sinon, là, c'est la cérémonie proprement dite. Le spectacle du 5 septembre. Vous avez vu Takana prester? Est-ce que vous avez vu Takana prester? Merci à Simon. Vous l'avez vu prester? Est-ce que vous l'avez vu prester? Quelqu'un se lève, il se permet de nous insulter. Et qu'est-ce que lui, il dit? C'est tellement que c'est ridicule. Qu'il a fait une observation, il a vu que les gens insultent Doumbouya. C'est à cause de ça que lui, il a ça. Regardez, hein? Mais, il y a tellement d'artistes dans ce pays-là. Il y a des gens qui ont chanté pour Doumbouya, ils ne nous ont pas insultés. Il y a beaucoup d'artistes. Avant lui, il y a Fode Kouyaté qui a chanté. Il y a Solatata qui a chanté. Il y a Fode Kouyaté qui a chanté. Ils sont nombreux qui ont chanté sans insulter. Eux-là, ils ont fait les éloges. Mais venir chanter, insulter, qui l'a fait? C'est lui seul. Merci, Mohamed Chilf. C'est lui seul. Avant lui, les gens ont chanté. Même Yamasega a chanté pour sa fille. Mais est-ce que Yama nous a insultés? Yamasega ne nous a pas insultés. Vous parlez de sages de la basse-côte. Sortez-nous, montrez-nous ces sages-là. Parce que vous mentez. Quand les sages ont dit, c'est à cause de ça. C'est faux. Dites qu'il y a des anciens ministres-là. Montrez-nous les sages-là. Nous connaissons les sages de la basse-côte. Ne mêlez pas les sages-là de vos conneries. Ils ne sont pas dedans. Dès que la délégation de Amara a quitté la forêt là, vous avez vu les informations, non? Ils ont dit qu'ils vont couper les pieds et les têtes de certaines personnes en forêt. C'est l'information qui circule aujourd'hui. Il a parlé de Konya, il n'y a pas de problème. Il a parlé de Konya. Il y a les Guerzés là-bas, il y a les Thomas et autres. Et nous connaissons l'histoire de la forêt entre les Guerzés et les Konyankés. Comme il a parlé de Konya, ça, vous allez raviver encore une tension en forêt à Dike Benyana. Parce que vous ne savez pas vous exprimer. Le volé est parti se présenter en mettant notre communauté en danger. Il a parlé de Konya. Que nous, les Konyankés, là, c'est comme ça. Et en forêt, il n'y a pas le Konya seulement. Je vous le répète, il y a ce qu'on appelle les Pelé, les Manon, les Thomas, les Kissi, les Malinké, les Pe. Mais lui, il est passé à de côté. Donc, moi, je n'en dis rien. Montrez-nous les sages. J'insiste, hein. Ah, les sages ont dit comme ça. C'est les sages. Oh, ne mettez pas les sages dans vos conneries.
Ceux que vous appelez charges là, sortez-les, on les connaît. Qui vous a dit d'aller à l'opposition? Colon, il n'a pas reçu de convocation. Ah, je m'en fous de la convocation. Qu'on le convoque ou pas, là, c'est pas important. J'ai dit pour moi, là, c'est terminé. Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? C'est fini. Ma mère m'a appelé me faire asseoir et puis, c'est fini. Elle m'a parlé et puis c'est terminé. L'affaire est close. L'affaire est close. Sinon, j'avais décidé un jour de porter plainte contre elle. Mais elle dit non, je veux plus entendre parler de ça. Et puis, c'est terminé. Il y a des gens qui ont chanté. Au lieu de vous demander le gars de prendre des excuses publiques, il doit prendre des excuses publiques devant tout le monde. Des apatrides. Et puis tellement qu'il insiste dans cette connerie, il dit non, tout le monde a vu, là, nous avons constaté des apatrides. C'est-à-dire, nous ne sommes pas pour Mamadi, nous sommes automatiquement des apatrides. C'est eux qui sont des vrais Guinéens. C'est-à-dire, si tu n'es pas pour Mamadi, tu es apatride. Tu n'es, hein? C'est-à-dire, il était Mamadi fait, il était Mamadi Koro. Automatiquement, hein, comme Mamadi est le symbole de la dignité, Mamadi est le symbole de. Mamadi n'est qu'un simple, assassin. C'est tout. Mamadi, il est le symbole d'assassinat, de kidnapping et de destruction. C'est tout ce que Doumbouya est. Ce qui est malheureux, vous êtes assis, le gars en train de ramasser l'argent de ce pays, la Kawadi. Il est en train de prendre tout. C'est-à-dire l'argent du pays, parce qu'elle est mise là, attends, il ne veut même pas que quelqu'un s'approche des mines. Aujourd'hui, non, ils sont que deux qui gèrent les mines. Et lui et son ami, Diba Yakité, c'est les deux qui gèrent toutes les mines de la Guinée. Al-Sinanya Benama, qu'on vous donne les miettes là, et puis vous êtes content avec ça, qu'on prend 20 millions, on vous donne 10 millions, et puis ça passe. Qu'on les apatrides sont assis en train de faire du mal à la Guinée. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire du mal à la Guinée. Les inondations là, éboulement de terrain, manque d'infrastructures. On n'a même pas de stade homologue. On n'a pas de centre. Ils ont commencé à sortir des maquettes pour le centre culturel. Tout est ouvert. Tout ça là, c'est nous qui avons créé ça. C'est nous qui avons créé ça. Le déficit, le manque d'argent, la pauvreté aujourd'hui, c'est nous qui avons créé tout ça là. Qu'on vous êtes des apatrites. Andelenaudi. C'est à cause que les gens sont en train de chanter par-ci, par-là, hein? Les artistes mendiants. Regardez la route. Prenez la route Koya aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? C'est le ministre du budget. Il n'y a pas de route en Guinée. Hein? Lui dit qu'il n'y a pas de route en Guinée. Il n'y a pas de route en Guinée. À peine nous avons fait 800 km. Il dit à peine nous avons fait 800 km. Où sont les 800 km? Vous avez parlé de tunnel. Regardez les tunnels, sont trouillés partout. Regardez ce qu'on appelle tunnel. Vous avez pris les vrais projets de ces tunnels d'Alpha Condé, vous avez tout bafouillé, vous avez tout mangé. Regardez la route aujourd'hui, Kankan Kizdou, la route Mamoun Labé, la route aujourd'hui Mamoun Farana Kizdou. Allez, regardez la route là. Ça c'est nous qu'on a les apatrides. Ça c'est nous, quand nous dénonçons ça, c'est qui fait de nous des apatrides. Hein? Où est le courant? Le courant était à zéro, c'était en partance vers la frontière. La frontière. On était en train d'envoyer le courant partout en Guinée. C'est nous qui sommes responsables de ça, qu'on des apatrides. Le gars est en train de s'enrichir. Il a fait son coup d'état pour manger l'argent de la Guinée, c'est partagé. Et puis, qu'on ne l'apatride. Nous allons continuer à donner tous ces choses. On a dénoncé tous les jours. Voilà, c'est le gouverneur de la Banque Centrale qui est menacé. Et lui et le directeur de la douane, les deux là ont détourné. On parle de 20 milliards. Nemalo, je ne sais pas. Entre les deux, qui a détourné? Mamadi va rentrer, il y a un qui va aller en prison. Parce que, il partait, un sera démis de ses fonctions et puis poursuivi entre les deux. Peut-être fait qu'il va sauver le gouverneur, c'est pas, parce que j'ai parlé. Sinon, il doit être démis de ses fonctions et puis poursuivi. C'est lui qui a fait rentrer Baïdi. Vous savez, Baïdi a tout fait pour retourner. Baïdi a vu que ce sont des faux types. Il a compris, il a su, il a compris que ce sont des faux types. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. N'oubliez pas. La grande manifestation du 20 à Bruxelles. N'oubliez pas, hein. Voilà. Le 20 à Bruxelles. Avant ça, là-bas, le 13 en Allemagne, à Essien, pour la mobilisation de la sœur, ma femme, Aissatou Chérif, pour sauver les Guinéens qui doivent être rapatriés. D'ailleurs, ils sont prêts à être rapatriés par Maurice Sanda. Maurice Sanda veut rapatrier les Guinéens. Plus de 1000 Guinéens, Maurice Sanda. Il a pris de l'argent, 1 million d'euros, il s'est partagé avec l'ambassade. N'oubliez pas les deux grandes manifestations. Nous disons merci à la coalition, l'Union sacrée, le RPG, l'IFDG et l'IFR.
Bravo à tout le monde parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler. Notre travail va bientôt payer. Parce que même Bafo, que l'élection était là. Nous avons dit et nous répétons, en 2024, le 31 décembre, si le gars-là ne part pas, c'est qu'il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays. Abraba, Aya Befo, portez-vous bien. Merci, à demain. Thank you.